Merci de nous donner la théorie, Matsuda. Ça aura évité à tous les obsédés du complot de passer des jours à la trouver. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyfil. Plus ça va, plus les gens adorent faire des théories sur les films, les jeux vidéo, les séries, etc. Et Disney est un terrain très propice pour ça. Le net regorge de théories concernant les films de la petite souris, et si certaines sont très perspicaces, d'autres sont quelque peu discutables. Et comme je suis plus doué à me plaindre et à contredire, c'est de ces théories-là qu'on va parler. Les maladroites, les malhabiles, les malavisés, les malvenus, les malodorantes, les mal en point, les mal... les malotrus. Ce sont ces théories qui semblent coller au premier abord, mais qui déchantent un peu si on s'y penche en détail. Et avant de commencer, j'aimerais clarifier deux choses. Tout d'abord, je ne vous regarde pas de haut si vous croyez à ces théories. Le cinéma est un monde d'imagination et libre à chacun de s'imaginer telle ou telle vérité dans la fiction, du moment qu'on reste dans la fiction. Seulement voilà, je suis un sceptique né et j'aborde ces théories comme on le ferait en science. Si jamais il existe un élément prouvant que la théorie ne fonctionne pas, alors elle est caduque. Ou à retravailler. Et si ce n'est pas votre cas, chacun sa vision. Je ne suis pas là pour forcer la mienne. Et le fait que ces théories ne marchent pas pour moi ne leur enlève pas tout leur intérêt. J'ai un certain respect pour la réflexion qui a été mise dans les 10 théories que je vais lister. À part la numéro 6. L'autre point que je tiens à éclaircir, c'est que si d'un côté il est évident que je ne parlerai pas des théories que je ne peux pas contredire, comme celles comme quoi le génie et le marchand sont une seule et même personne que je trouve inattaquable, ou celles comme quoi Emily, l'ancienne propriétaire de Jessie, est la mère d'Andy, ou tout ce que je trouve à redire, c'est que ça fait une sacrée coïncidence quand même, d'un autre côté, je ne parlerai pas non plus des théories complètement bidons qui ne méritent même pas de s'appeler comme ça. Comme l'hypothèse débile selon laquelle Tarzan serait le frère d'Anna et d'Elsa, parce que, oh, le bateau des parents des deux filles a fait naufrage, et celui des parents de Tarzan fait naufrage au début du film, donc ça doit être les mêmes personnes. Deux, je suis trop fort pour faire les liens. Vous savez quoi? Numéro 11 bonus, on va déconstruire cette théorie de merde. D'une part, Tarzan est né avant le naufrage, donc tout le monde devrait connaître son existence, et pourtant personne n'y fait allusion dans tout la Reine des Neiges. Et papa, pourquoi mon petit frère peut venir au mariage de Réponse et pas moi? Seuls les héritiers garçons peuvent quitter notre royaume, ma chérie, tu devrais le savoir. Au fait, si jamais on venait à tous disparaître dans un naufrage, assurez-vous bien que personne ne parle de lui. On a déjà deux déceptions dans la famille, pas la peine d'en ajouter une troisième. Waouh, vous êtes vraiment des parents de merde! Oui, à ton avis, pourquoi on a fait mettre le petit dans le bateau en premier au lieu d'embarquer avec lui? Le lieu ne correspond pas. Si on se fie aux autres théories bien plus fiables, le voyage d'Arendelle au pays de Réponse devrait avoir lieu en Europe du Nord. Or, Tarzan se passe clairement dans un environnement tropical. Je sais pas, à moins qu'il existe une putain de grande jungle inhabitée au Danemark. L'époque ne colle pas du tout, la Reine des Neiges se déroule à l'ère médiévale alors que Tarzan se déroule au début du XXe siècle. Et pour finir, ah oui, les parents de Tarzan ne ressemblent pas du tout aux parents d'Elsa et d'Anna. Ah ouais, quelle similarité, dites-moi, comment peut-on douter qu'il s'agit des mêmes personnes? Écoutez, il y a théorie et il y a fantasme. Libre à vous d'imaginer Tarzan frère avec Elsa et Anna, mais n'appelez pas ça une théorie, parce que c'est une insulte au principe de théorie. Donc oui, je traiterai des théories qui tiennent un peu la route à la base. Et cette introduction n'a que trop duré, préparez-vous à avoir vos rêves brisés, c'est parti pour le top 10 des théories Disney discutables! Numéro 10, Elsa est lesbienne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est intime avec aucun garçon de tout le film. Dans ce cas, elle est plutôt asexuelle, vu qu'elle n'est intime avec aucune fille non plus, à part Anna. À moins que vous vouliez dire qu'elle en pince pour sa sœur. Ça a de quoi inspirer pas mal.
Il y a deux autres arguments en faveur de cette théorie. D'une part, la façon qu'a Elsa d'enfouir sa particularité et de finir par l'accepter peut facilement être vue comme une allégorie d'un coming out. Si on interprète ses pouvoirs comme de l'homosexualité, le rapport se voit vite. C'est une jolie allégorie, je l'admets, mais qui pour moi ne se rapporte pas forcément à l'homosexualité. Elle peut très bien être appliquée à n'importe quelle condition de vie ostracisée par la norme. D'autant plus que ça casserait pas un peu l'allégorie qu'elle devienne littérale. Et le dernier point, c'est qu'il existerait déjà un homosexuel dans la Reine des Neiges, en la personne du marchand qui semble faire coucou à son amoureux au centre. Vous savez, ce garçon qui semble pas beaucoup plus âgé que cette fille-là. Il a l'air de les aimer jeunes, dites-moi. Et je sais pas, si j'étais la mère de toute cette portée, je me sentirais peut-être un peu mal à l'aise d'avoir à prendre un sauna avec eux. Mais ce n'est que mon avis. Puis le mec dit juste « La famille !» Donc ça pourrait très bien être une famille totalement différente de la sienne. Mais sachez qu'au final, je n'ai rien contre l'idée. Si Elsa finit par être lesbienne, c'est cool, vraiment. Le truc, c'est que la théorie n'a absolument rien de probant pour moi. Littéralement, le seul vrai argument qu'on a en sa faveur, c'est « Vous pouvez pas prouver qu'elle est pas lesbienne !» Ouais, ben vous pouvez pas non plus prouver que ses pouvoirs ne viennent pas d'une race alien qui les lui ont implantés pour conquérir la Terre. Ça ferait un scénario de suite intéressant. Numéro 9, Jen est la petite fille de la Belle et la Bête. On adore donner des liens de parenté perchés aux personnages de ce film, dites-moi. Cette théorie est émise pour plusieurs raisons. Les deux femmes ont un look similaire, chacune a un père farfelu et chacune civilise son mâle. Waouh, des prémices un peu similaires, ça ne peut que vouloir dire qu'elles ont un lien de parenté. L'autre lien qu'on aime pointer, c'est que Jen et son père possèdent un service à thé assez identique à celui qu'on voit dans La Belle et la Bête. Vous savez, le service à thé qui finit par redevenir humain à la fin du film. En dehors du fait que ce sont deux adaptations d'œuvres qui n'ont rien à voir, le seul vrai élément de contradiction que j'aurais, c'est que Belle est française alors que Jen est anglaise. Ça fait un changement de nationalité sacrément rapide, surtout pour l'époque. D'autant plus que comme Jen a pris le nom anglais de son père, c'est sa mère qui serait née de La Belle et la Bête. Et de ce fait, le côté savant farfelu des deux papounets n'est même pas un trait génétique, mais une grosse coïncidence. Mais on pourrait balayer ça en disant juste que Belle n'est pas la grand-mère de Jen, mais un ancêtre plus éloigné. Et à ce moment-là, je n'ai aucun contre-argument définitif. Mais si j'ai fini par m'attaquer à cette théorie, c'est parce que je n'aime pas trop l'implication qu'on y fait. La plupart de ceux qui soutiennent cette théorie semblent presque dire que la romance entre Jen et Tarzan est une repompe de celle entre La Belle et la Bête, alors que ça n'a rien à voir. On n'a pas les mêmes enjeux, pas le même déroulement, pas le même rapport de personnages. Ce sont deux romances que j'adore, mais qui ne se ressemblent que très, très superficiellement. Et ça m'agace un peu qu'on dise qu'elles sont semblables juste pour appuyer une théorie qui n'a aucune preuve concrète. Numéro 8, Aladdin se déroule dans le futur. Cette théorie vient du fait que la magie crée des objets qui ne font pas très Arabie ancienne. Et comme le génie a dormi 10 millénaires dans la lampe, ça veut dire que notre monde moderne existait il y a 10 000 ans ou plus. Au début, je trouvais cette théorie complètement ridicule, car pour moi, c'était juste des délires anachroniques inspirés par les impros de Robin Williams. Mais j'ai un peu revu mon jugement une fois que je me suis vu Hercule et Aladdin. Lier ces deux univers aurait un certain sens si on les voyait tous deux dans un futur très éloigné. Après tout, Hercule aussi regorge de références modernes qui n'auraient aucun sens dans la Grèce antique. Donc oui, j'ai fini par respecter un peu plus cette théorie. Mais c'est pas pour ça qu'elle marche pour moi non plus. Pourquoi les gens suivent-ils les vieilles coutumes de l'époque s'ils savent qu'il en existe des plus avancées et plus pratiques? Et c'est pas juste niveau habit et architecture, la princesse qu'on doit marier à 16 ans, le vieux châtiment réservé aux voleurs,
Comment se fait-il qu'ils reprennent toutes ces mœurs archaïques si on est dans un futur éloigné? C'est encore pire si on lit ça à Hercule. Pourquoi les puissants dirigeants de Grèce ont des noms et une histoire très semblable à la fausse mythologie grecque d'avant? Pourquoi utilisent-ils des chiffres romains alors que les chiffres arabes les ont supplantés et les ont rendus complètement désuets? Et surtout, qu'est-ce que ça change au final? Que ce soit un passé fantaisiste ou un futur éloigné fantaisiste, ça rajoute quoi à l'histoire des films? Genre, un message comme quoi l'histoire est vouée à se répéter? Ouais... Donc au final, pas convaincu, même si c'est moins stupide que je ne le pensais au départ. Numéro 7, Karl a tout rêvé. C'est une théorie assez populaire, comme quoi tout le voyage de Fredriksen ne se serait jamais déroulé et que tout ce qui se passe à partir de la 20e minute n'est qu'un rêve éveillé avant sa mort. Ça expliquerait pourquoi Charles Muntz n'a pas l'air plus âgé que lui et quelques autres petites incohérences ci et là. Ce que j'adore dans la théorie du rêve, c'est que n'importe quel problème de logique peut se contre-attaquer par « ça a pas à avoir de sens, c'est un rêve !» Eh bien, vous savez quoi? Je déteste cet argument. Quand vous pondez un rêve, il faut que, narrativement, tout se rapporte à quelque chose. Sinon, je suis désolé, c'est de la fainéantise. D'accord, Russell représente l'enfant que Carl et Ellie n'ont jamais eu. Mais il représente quoi, les chiens qui font de l'aviation? Et ça signifie quoi, cette intrigue écolo où son héros d'enfance devient un putain de cinglé? Ça n'a aucun sens qu'il ponde ce scénario-là dans un dernier rêve avant de quitter cette terre. Mais ce qui ne marche vraiment pas pour moi, c'est que la mise en scène n'appuie pas du tout cette thèse. On voit des scènes où il n'apparaît pas. À un moment, il rêve dans le soi-disant rêve. Faites votre propre blague sur Inception. Et surtout, l'épilogue ne colle pas du tout. Ça devrait se terminer sur une image apaisée de Karl qui part en flou, quelque chose comme ça. Eh ben non, ça se finit par une compilation de petits instants du nouveau quotidien de Karl. Désolé, ça ne marche pas pour moi. Au final, on dirait plus que ça sert d'excuse au problème de logique du film. Et je suis désolé, il faut plus qu'une théorie un peu bancale pour me les faire pardonner. Numéro 6, les gargouilles sont imaginaires. Ouais, elles n'existent pas. Ce n'est qu'un fragment de l'imagination de Quasimodo pour lutter contre sa solitude. C'est tragique. Sauf que c'est n'importe quoi. J'ai énormément de mal à croire que Quasimodo s'imagine ça. Ou ça. Faites-vous encore plus laid qu'une gargouille. Ou ça. Si dans son imagination, une gargouille a envie de se taper une chèvre, ce type a un sérieux problème psychiatrique. Et je pourrais en passer d'autres des moments comme ça. De plus, on montre clairement que le clocher de Notre-Dame contient une certaine forme de magie au début et à la fin du film. Et en bonus, la théorie est complètement rejetée dans la suite. Mais j'imagine que certains diront que toutes les réactions aux agissements des gargouilles sont elles aussi dans la tête de Quasimodo. Je suis désolé, c'est trop facile. Avec ce genre de raisonnement, on peut appuyer tout et n'importe quoi. Par exemple, vous connaissez tous Street Fighter, le film. On sera assez d'accord pour dire que toute la sous-intrigue autour de Blanca et Dalsim est l'un des trucs les plus cons du film. Mais si je vous disais qu'elle avait plus de profondeur que vous ne le pensez? On établit que Blanca est un ami proche de Guile. Et si Guile s'était imaginé tout ça juste pour renier le fait qu'il a forcément été tué? Toutes les scènes qu'on verrait entre ces deux-là ne seraient qu'un scénario inventé alambiqué pour que Guile n'ait pas à accepter la mort de son ami. Ça expliquerait pourquoi ces deux-là restent dans un bâtiment en flammes à la fin. Vu qu'ils n'existent pas, Guile les empêche d'interagir avec les autres pour se conserver l'illusion. Belle théorie, non? Sauf qu'il y a un tas de scènes qui laissent clairement croire que c'était pas du tout l'intention, mais merde, j'ai qu'à m'imaginer que tout ça, c'était dans sa tête aussi. Écoutez les gars, j'adore le bossu de Notre-Dame, mais je vais pas aller m'accrocher à des théories un peu foireuses pour le rendre meilleur qu'il ne l'est non plus. Numéro 5, Nemo n'existe pas.
Cette théorie dit que Nemo est mort avec tous ses frères et sœurs au début et que tout le film, Marin s'imagine qu'il existe et se crée toute cette aventure comme un voyage vers l'acceptation de sa mort. Même sans prendre en compte le fait que le second film contredit cette théorie, ça me paraissait un peu trop tiré par les cheveux pour être pris au sérieux. Mais en voyant les arguments, j'ai trouvé pas mal d'idées intéressantes. Notamment le fait qu'on fasse correspondre les 5 étapes du deuil à des moments bien sentis du film. Néanmoins, ça reste quand même beaucoup trop perché pour que j'y croie. C'est comme pour la théorie sur Lao, il y a beaucoup de scènes qui ne correspondent à rien dans cette histoire de deuil. Et la mise en scène contredit la thèse plus qu'autre chose, avec des tas de scènes sans Marin, ni Nemo d'ailleurs, et un épilogue qui ne colle pas. Je suis plus convaincu par la théorie de la reproduction. Oh, vous la connaissez pas ? Les poissons clowns peuvent avoir des organes mâles et femelles. Dans une colonie de poissons clowns, quand la femelle alpha meurt, le mâle alpha devient alors la femelle alpha. Donc, Marin devient la femelle alpha et Nemo devient alors le mâle alpha. Et la raison pour laquelle son père tiendrait à ce point à le retrouver, c'est parce qu'il veut se reproduire avec lui et reformer une colonie. Vous verrez le film différemment après ça! Numéro 4, la reine de Blanche-Neige et la mère Gothel ne font qu'une. Gothel serait la reine un certain temps après les événements de Blanche-Neige. En effet, leur obsession pour la beauté semble les relier. Je sais pas trop, j'arrive plus à comprendre une femme qui veut rester jeune pour toujours qu'une femme qui serait prête à tuer pour rester la plus belle au monde. L'autre argument, c'est que Gothel semble posséder certains objets appartenant à la reine, comme la dague pour tuer Blanche-Neige qu'elle utiliserait pour poignarder Flynn. Ce moment-là, ils sont où tous ces grimoires, ces potions magiques, etc. On pourrait croire qu'elle aurait envie de s'en servir pour surmonter sa crise. Merde, pourquoi elle a pas juste fait boire à Réponse son poison magique qui endort éternellement? Une fille constamment endormie, c'est beaucoup plus facile à gérer. En plus, je suis désolé, mais la mise en scène semble clairement indiquer que la reine est morte à la fin du film. C'est un peu ce que ça veut dire, les vautours qui lui plongent dessus. Le dernier argument, c'est la ressemblance entre les deux. Pas les versions vieilles, j'espère, sinon vous êtes vraiment Miro. Non, étant donné que la reine a toujours les cheveux voilés, les visages pourraient concorder. Sauf que, quand on y regarde bien, c'est pas tout à fait la même couleur d'yeux. Enfin bon, ça reste beaucoup plus ressemblant que ça. Ah ouais, c'est trop le même couple! Mais bon, cette ressemblance ne suffit pas pour moi. Il y a beaucoup trop de points qui ne collent pas pour que j'adhère. Numéro 3, le père d'Andy est mort. Une théorie voudrait que le père d'Andy soit mort quelque temps avant le premier Toy Story. Et c'est pour ça qu'on ne le voit jamais dans les films. Pas même une seule photo de lui dans la maison, ni même une seule mention de lui. Punaise, il était vachement aimé dans cette famille. Et ce serait la raison pour laquelle la famille déménage dans le premier film. Il est peut-être mort en faisant un attentat ou un braquage, et la famille voulait s'éloigner de tout ce qu'il représentait, d'où le déménagement et l'absence de photos. Cette théorie ne me convainc pas pour deux raisons. D'abord, c'est Disney, les gars. Vous pouvez être sûr que si le père, la mère ou les deux sont morts, ils vont pas se priver de le mentionner pour le petit drame rapide. C'est presque une tradition chez eux. D'autre part, la théorie alternative comme quoi sa mère aurait divorcé colle mieux. C'est normal que la mère d'Andy finisse par déménager dans une maison plus petite et jeter tous les souvenirs de ce type si elle était en froid avec lui. De plus, si je trouve ça super de montrer une famille monoparentale qui s'en sort, on pourrait aussi supposer qu'il n'est jamais présent à cause de son travail. Et sincèrement, le personnage du père n'est pas nécessaire dans l'intrigue des films, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Chercher du drame superficiel en plus dans une trilogie qui réussit déjà très bien ses intrigues dramatiques, je trouve ça superflu. En parlant de ça... Numéro 2, la bête avait 11 ans. C'est la théorie très populaire comme quoi le prince Adam était un garçon de 11 ans au moment où il a été changé en bête. Preuve numéro 1, la rose doit finir de se flétrir à son 21e anniversaire. Et preuve numéro 2, cette réplique. 10 ans de vraie galère ratatinée par la poussière. Faites le calcul. Que peut-on redire face à ça?
deux, trois petites choses. D'une part, j'ai beaucoup de mal à croire qu'un gamin de 11 ans se charge de répondre à la porte tout seul. Les domestiques devraient pas être là pour se charger de ce genre de truc. Et j'en sais rien, si j'étais un gosse pourri gâté, j'aurais pas spécialement envie de venir répondre à la porte quand on sonne. Et puis, sans parler du portrait sur les vitraux au départ, vous pouvez m'expliquer ça? C'est clairement un portrait d'Adam, et il a pas trop l'air de faire ses 11 ans. À moins qu'il soit vachement précoce. Encore plus que Jasmine. Et en bonus, c'est clairement contredit dans la suite. Et je sais qu'il faut pas trop compter les suites Disney Toon dans la continuité, mais sincèrement, comme pour le bossu de Notre-Dame 2, j'ai du mal à croire qu'ils les fassent sans consulter les créateurs d'origine. Le fait que ces films cassent complètement ces théories montre clairement, pour moi, que les créateurs n'y ont pas réfléchi. Mais parlons un peu de la preuve numéro 2, la réplique de Lumière disant qu'ils sont comme ça depuis 10 ans. J'entends énormément de gens dire que comme Disney sont de grands professionnels, ça ne peut pas être dit par erreur. Ce que je trouve extrêmement naïf. Même les plus grands cinéastes et les plus grosses productions font des erreurs, avec tous les aspects à gérer, du scénario au montage, sans compter les dates limites à respecter. Comment voulez-vous qu'un film, quel qu'il soit, soit parfaitement rodé dans tous les moindres détails? C'est impossible. Mais même en partant du principe que cette réplique n'est pas une erreur, écoutez-en donc un peu plus. 10 ans de vraies galères, ratatinées par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire. Dans l'absolu, ça veut juste dire que plus personne n'est venu au château depuis 10 ans. Pas forcément qu'ils ont été transformés à ce moment-là. Vu que le prince a été une plaie à vivre, il se peut que le château ait été déserté à cause de ça. Et c'est quelque temps après ça que la magicienne serait venue et aurait transformé tout le monde. Personne n'y a pensé ? Je trouve que c'est plus logique qu'un sale gamin riche qui répond tout seul à la porte. Et la théorie discutable numéro 1 est... Tous les films Pixar sont liés. Certains croient fermement que toutes les histoires Pixar se déroulent dans le même univers. Sur le principe, j'adore cette théorie. En fait, j'adorerais que quelqu'un fasse la même avec les films Disney Animation Studio. On pourrait pondre un genre de lien global à partir de réalités alternatives, comme pour la chronologie Zelda, ce serait énorme. Mais malheureusement, le rabat-joie sceptique que je suis n'arrive pas à y croire sincèrement, même si ça reste génial. Je ne vais pas résumer la théorie, cette vidéo dure déjà assez longtemps comme ça, et si vous le voulez, Link the Sun s'en est déjà bien chargé. Je vais plutôt pointer en quoi il ne tient pas pour moi. Commençons par Monstres et Compagnie. Comment se fait-il qu'apparemment Boo soit la seule que la présence de monstres dans le placard est affectée ? Avec autant d'enfants qui ont vécu ça, ça paraît assez dingue que ce ne soit jamais évoqué en dehors de ces deux films. En fait, il y en a même d'autres que ça devrait interpeller, les jouets. C'est pas un peu étrange que dans aucun Pixar, personne ne fasse un tant soit peu allusion au fait que tous les enfants ont connu une grosse bestiole bizarre qui sortait de leur placard? Si j'étais les jouets d'un de ces enfants, c'est un des premiers sujets de conversation que j'aurais. C'est d'autant casse-gueule si on part du principe que, selon la théorie, les monstres viennent non pas d'un univers parallèle, mais du futur. Donc bonjour les paradoxes temporels. Ensuite, on passe à Cars, qui se passerait au 22e ou 23e siècle, peu après le départ des humains dans Wall-E. Et les véhicules ont forcément dû reconstruire une grande partie de l'infrastructure terrestre pour correspondre à leurs dimensions. Et pour ça, ils ont refait le modèle humain à l'identique parce que c'était leur meilleure façon de s'affranchir d'eux. En fait, pourquoi est-ce qu'ils suivent exactement le même mode de vie que les humains fin 20e siècle? C'est vachement spécifique quand même. Et étant donné que l'histoire principale de Wall-E est censée se passer après l'extinction des véhicules de Cars, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on peut voir les autres machines censées être restées pour nettoyer la planète dans Cars 1 et 2. Vous savez, celles qui sont évoquées dans Wall-E. Et pourquoi ne voit-on aucun jouet conscient de Toy Story dans Cars ou Wall-E? Merde, pour rester dans Cars,
On voit qu'absolument toute la faune est constituée de véhicules. Et pourtant, dans Wall-E et dans Mille et une pattes, qui est censé se passer quelques siècles après, selon cette théorie, les insectes normaux réapparaissent par magie, sans qu'on voie une seule carcasse de ces bestioles en tôle des années 2200. On est banni, voilà, bloqué dans ce coin paumé sans une paire de chaînes. Mais la petite Boumobile est en panne, elle a besoin d'un coup de main. Et pour finir, comment se fait-il qu'on ne parle jamais de super-héros en dehors du film Les Indestructibles ? Je veux dire, c'est pas rien. Personne n'en touche, ne serait-ce qu'un mot, durant les films Toy Story, Ratatouille ou là-haut. L'explication que la théorie donne à ça, c'est qu'avec l'arrivée de la technologie, les gens ont fini par oublier les super-héros en l'espace de 30 ans. De 30 ans ! C'est comme si moi je disais... La Seconde Guerre mondiale ? C'est quoi ça ? Jamais entendu parler. Merde, c'est même pire, parce qu'au moins aujourd'hui, il y a plus grand monde de vivants à avoir assisté à la Seconde Guerre mondiale. Et pour terminer, cette théorie n'inclut pas les films Pixar récents, parce qu'ils la font totalement s'écrouler. Surtout le voyage d'Arlo, qui se passe dans un monde alternatif où les dinosaures ne se sont pas éteints. J'ai du mal à voir en quoi ça peut s'imbriquer dans le même univers que le reste. Si votre théorie n'arrive pas à inclure tous les Pixar, elle perd un peu en intérêt, et ça tend à prouver que ça n'a pas vraiment été pensé par les créateurs au départ. Pour chaque easter egg et lien qu'on peut faire, on peut trouver un illogisme dans ce grand regroupement, et c'est pour ça que même si j'adore la théorie sur le principe, je n'arrive pas réellement à y adhérer. Mais si vous vous y adhérez, tant mieux pour vous. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. C'est ça qui est bien avec l'art. Chacun peut l'interpréter à sa propre manière. Et chaque point de vue est intéressant et n'a pas à être blâmé. Sauf si vous croyez vraiment que Tarzan est le frère d'Elsa et d'Anna. Dieu que cette théorie est stupide! Quoi qu'il en soit, toute cette réflexion m'a un petit peu épuisé le crâne. J'ai besoin d'une histoire de princesse pas prise de tête pour compenser. Ça fera l'affaire. À la prochaine et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Il y a une théorie comme quoi la mère de Bulma serait une androïde. Pervers jusqu'au bout, ce vieux brief.